Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous du soir autour de la réflexion sur la spiritualité. Nous sommes encore fidèles au rendez-vous, vous êtes fidèles au rendez-vous et donc nous allons commencer notre réflexion comme nous le faisons tous les soirs, en tout cas à partir de 21h GMT. Et c'est avec plaisir justement que nous nous retrouvons encore une fois pour réfléchir. Réfléchir toujours sur la spiritualité, comme nous avons déjà l'habitude de le faire. Alors, pour ce soir, nous allons avoir en tout cas la possibilité d'échanger avec un Kimbanguiste qui, de surcroît, est pasteur de cette église, qui regarde cette émission depuis le début, qui est intervenu une fois ici par audio, c'est-à-dire au téléphone. Mais cette fois-ci, nous avons réussi justement à le connecter pour qu'il intervienne directement dans notre studio. Voilà. Et donc, avec lui, nous allons non seulement reprendre quelques points, en tout cas chauds, qui ont marqué les deux dernières émissions que nous avons faites, et également, il va donner son point de vue également et aussi sur certaines questions que nous allons poser ce soir. Donc, avant que la technique réussisse justement à le joindre, nous allons d'abord vous remercier. Vous remercier pour les différents messages que vous nous envoyez à la fin de chaque émission. Vous remercier également parce que vous nous encouragez à continuer à percer de sorte que la vérité sorte. Parce qu'il y a une nébuleuse justement autour de la spiritualité en général. Et surtout quand on parle de la spiritualité kimbanguiste, justement, c'est l'ombrage total et ce sont les mots qui sont utilisés par ceux qui nous contactent. Donc, nous sommes ici vraiment de tout cœur avec vous. Nous ne sommes pas ici pour soulever des sujets polémiques. Nous sommes ici justement pour discuter avec vous, réfléchir ensemble sur tous ces sujets qui créent justement l'incompréhension, qui crée parfois le malentendu. Tous ces sujets, en tout cas, pour lesquels nous sommes appelés à trouver des solutions parce que nous vivons dans la société des hommes. Et la spiritualité, c'est notre tronc commun. C'est notre ossature. C'est à travers la spiritualité que notre être est vivifié. C'est la spiritualité qui nous donne la possibilité justement d'être ce que nous sommes. Quoique c'est invisible, mais justement, c'est ça la force de l'esprit. Les esprits ne meurent pas, les esprits existent et nous sommes vivifiés par les esprits. Permettez-moi de vous dire que nous avons reçu quelques messages qui n'ont pas été assez courtois, mais nous faisons avec ça. Nous acceptons qu'il y ait des gens qui réagissent comme ils veulent selon leur tempérament, mais ceci ne va pas nous décourager à continuer justement à sensibiliser, à dénoncer et également à apporter de l'information sur tous ces sujets-là. Voilà. Alors, ce soir, comme le titre l'indique, comme nous avons déjà parlé depuis le commencement, nous avons voulu en tout cas parler de l'autre aspect de la polémique. Cet autre aspect de la polémique, c'est toujours autour de Simon Kimbangu. Kimbangu, pour quelle destinée? C'est-à-dire l'enseignement de Simon Kimbangu est porté sur quel message et pour quel consommateur et pour quel peuple? Voilà, c'est la question. Ça prend la logique, c'est dans la même logique de le concept que nous, enfin, pas le concept, du raisonnement que nous avons fait l'autre fois sur Kimbangu, le kimbanguisme et la succession qui divise. Voilà. Donc aujourd'hui, nous voulons voir pour quelle destinée justement ce message, cet enseignement est consacré. Voilà. Mais toujours autour de la clarification que nous devons apporter sur la succession toujours. Cette succession nous intéresse et intéresse justement la plupart des gens qui ne sont pas kimbanguistes, mais qui soient intéressés à savoir comment fonctionne, enfin, qui soient intéressés aux messages et aux enseignements Kimbangu. Parce que finalement, il y a un blocage à un certain niveau. Voilà pourquoi, justement,
Nous voulons tout le temps, tout le temps, tout le temps continuer à percer, continuer justement à en parler pour que finalement les Kimbanguistes sortent de leur trou. Excusez-moi le terme, hein, c'est une façon de dire que les Kimbanguistes s'expriment ouvertement sur tous ces sujets. Parce que la plupart, en tout cas, qui nous appellent ou qui nous envoient des messages, nous disent, effectivement, à partir du moment où vous commencez à en parler, vous allez subir des représailles, du moins pour ceux qui sont des Kimbanguistes. Ils ne sont pas acceptés, il n'est pas tolérable qu'un Kimbanguiste vienne sur la place publique et surtout dans les médias pour commencer à dire des choses telles que nous les faisons, telles que nous les disons. Et pourtant, il aurait dû être fait ainsi pour permettre qu'il y ait en tout cas clarification, qu'il y ait transparence autour de tous ces sujets justement qui portent polémique. Hier, nous avons lu un texte. Nous avons lu parce que nous nous référons toujours aux livres qui sont écrits par les Kimbanguistes eux-mêmes. Et nous qui ne sommes pas Kimbanguistes, eux qui ne sont pas les Kimbanguistes, qui veulent comprendre comment fonctionne le Kimbanguisme. De quelle manière pensez-vous qu'ils vont découvrir le Kimbanguisme, que nous allons découvrir le Kimbanguisme? C'est à travers les ouvrages, à travers les écrits. Et nous nous confions aux écrits. Voilà pourquoi. Ne prenez pas ça très mal lorsque nous sommes en train de parcourir certains textes de livres que vous avez écrits et que parfois certains d'entre vous ne sont pas au courant de ces textes et que vous portiez justement des critiques ou des menaces à l'égard de ceux qui lisent et qui veulent comprendre le sens et le contenu de ces livres-là. Voilà le sens de notre échange, se partager. Vous qui connaissez mieux, intervenez pour nous éclaircir. Autre aspect de l'affaire, de cette histoire, la plupart des Kimbanguistes qui nous appellent nous disent ceci, qu'ils nous suivent, mais ils hésitent d'intervenir par peur des représailles. Donc, ici, nous nous demandons, en fait, le Kimbanguisme en question, le message que Simon Kimbangu avait amené, c'était un message qui concerne un groupe de gens et qui doivent conserver ce Kimbanguisme pour eux. Les autres ne peuvent pas faire un commentaire sur le fonctionnement, le bon fonctionnement de ce groupe. Que vous le vouliez ou non, mes chers amis, nous sommes ici pour tout le monde, mais il y a un groupe de gens, il y a des Kimbanguistes qui se plaignent déjà. Ils nous suivent. Vous qui avez les intentions de nous menacer ou de menacer les autres, sachez que là, le train est déjà en marche. Nous allons continuer à le faire. Ça voudrait dire justement que le message est arrivé. C'est-à-dire que vous êtes en train vraiment de nous suivre. Parce que ceux qui réagissent nous disent que, effectivement, nous ne pouvons pas réagir directement à la chaîne pendant que vous êtes en direct, sous peine de représailles. Voilà. Du moins pour ceux qui sont des Kimbanguistes. Et ils nous encouragent, nous, à le faire parce que nous ne sommes pas des Kimbanguistes. Nous sommes un média indépendant, donc nous sommes en train de traiter des sujets d'actualité et tous les sujets qui concernent justement la société. Voilà, ça rentre justement dans la ligne éditoriale de notre organe des médias. Et donc, si c'est de cette façon que le kimbanguisme est arrivé, mais je ne crois pas en tout cas, le kimbanguisme, l'enseignement était bien parti. Et à partir de la mort de Dianguéna Koutima, eh bien, l'Église kimbanguiste a pris une autre orientation. Et ce conflit ou cette incompréhension règne depuis 19 ans, c'est-à-dire après la mort du dernier chef spirituel, lorsque la succession en question qui divise arrive, succession à laquelle la plupart des kimbanguistes n'aiment pas qu'on en parle. Parce qu'effectivement, nous avons ici des réactions des gens qui nous ont dit, vous exagérez, nous avons l'impression que vous vous acharnez. Non, messieurs. Non, messieurs. On s'acharne sur qui? Sur quoi? À plus forte raison, moi qui ne suis pas Kimbanguiste. Je vais m'acharner sur qui? Nous allons nous acharner ici sur qui? Non, messieurs. Nous voulons dénoncer pour que les choses marchent. L'hypocrisie ne peut pas marcher à jamais.
Et pour ce faire, nous allons parcourir certains messages. J'aimerais qu'un Kimbanguiste me dise que ce que je veux dire ici est faux. Qu'un Kimbanguiste dise que non, ce que je suis en train de dire n'est pas vrai, pour vous montrer que nous faisons des recherches. Et à travers ces recherches, ce sont des éléments qui sont concordants. Qui va nous contredire? Qui nous appelle pour nous dire que ce que vous dites n'est pas vrai? Un. Pour commencer, Simon Kimbangu lui-même, ça ce n'est pas une information parce que tout le monde le sait, avait trois enfants, trois garçons, Kisolokele, Dialungana et Joseph Dianguinda. C'est connu de tous. Juste pour le rappel de ceux qui nous suivent à travers d'autres canaux, ceux qui nous suivent dans d'autres pays, à savoir que Kimbangu avait trois fils. Et donc, Joseph Dianguinda, qui était lui-même Simon Kimbangu, selon ce que les Kimbanguistes nous disent, c'est-à-dire le dédoublement de Simon Kimbangu, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, lorsqu'il va rester à gérer cet enseignement, à diffuser l'enseignement de Simon Kimbangu, je ne cesserai de le dire que c'était un homme respecté et respectable, un homme qui était dans le droit chemin, un homme impartial, un homme sage et d'une grande spiritualité. Ça, personne n'en disconvient. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit que vous avez à rajouter aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il a dit que vous avez suivi, que vous avez respecté, que les Kimbanguistes ont respecté? À titre d'exemple, je vais poser la question. Lorsque Simon Kimbangu, Joseph Dianguinda a dit, mes enfants sont encore dehors. Ce sont ces vrais Kimbanguistes-là qui viendront un jour. Et lorsque le monde va découvrir ce que vous faites, vous serez lapidés. Et lui de continuer. Ne vous séparez pas, mes enfants. C'est l'œuvre de Satan, la séparation. Ne vous séparez pas. Soyez ensemble, soyez unis pour défendre cet enseignement, cette spiritualité. Ne vous séparez pas. Mais la question, que prêchez-vous chaque dimanche à l'église? Depuis que Joseph Dianguinda est parti, quel est l'enseignement fondamental aujourd'hui? Là, je suis en train de répondre à ceux qui nous ont dit que nous nous acharnions sur l'Église kimbanguiste et les successeurs de l'Église kimbanguiste. Non, messieurs, mesdames, aucun acharnement. Déjà, quand vous dites acharnement, c'est la preuve suffisante que vous êtes en train de défendre le mal. C'est-à-dire, vous êtes à côté de l'enseignement réel de Simon Kimbangu. Si vous n'avez pas respecté Simon Kimbangu, Joseph Dianguinda, qui est mort il n'y a pas longtemps, quand est-ce que vous avez respecté en tout cas Simon Kimbangu qui est mort il y a très longtemps? C'est-à-dire, vous faites de l'hypocrisie tout simplement. C'est de l'hypocrisie. Donc, quand vous nous dites, nous nous acharnons, c'est-à-dire que c'est une forêt qui cache, vous êtes en train, c'est un arbre qui cache la forêt. Ce que vous êtes en train de cacher, là, nous allons en tout cas le désamorcer pour l'intérêt général, pour l'intérêt justement de ceux qui ont la foi à cet enseignement Kimbangu. Car, comme je l'avais dit hier, cet enseignement Kimbangu ne vous appartient pas. La spiritualité Kimbangu n'appartient pas à sa famille, pour être beaucoup plus précis. Et à ses acolytes, parce qu'il y en a beaucoup qui défendent même aveuglément pour des problèmes liés à des intérêts particuliers. C'est cela la vérité. Lorsque Joseph Dianguinda dit, ne vous séparez pas, mes enfants, soyez unis. Et lorsque le monde va découvrir ce que vous faites, ils vont vous lapider. Mes enfants reviendront un jour. Et ce sont les vrais Kimbanguistes. Qui peut me dire qu'il n'a pas dit ça? Mais si déjà,
Vous ne respectez pas ce que Joseph Odianguinda, qui est le père spirituel dont vous dites que c'est lui-même Simon Kimbangu, qui s'est dédoublé en lui. Et il vous laisse un tel message. Mais vous ne le suivez pas. À plus forte raison, Simon Kimbangu lui-même, qui est le Dieu que vous vénérez. Mais quand est-ce que vous allez suivre ce message originel de Simon Kimbangu lui-même? C'est-à-dire que vous êtes en train de faire justement ce qu'on appelle. Vous créez de la confusion autour du message de Simon Kimbangu. Vous l'avez déjà transformé. Ce que vous faites, ce n'est plus du kimbanguisme. Enfin, c'est du kimbanguisme, mais qui a perdu sa connotation. C'est ça. Chers amis, chers frères et sœurs, si vous appartenez dans un corps et ce corps est malade, tous les membres seront malades, même une partie du corps qui souffre. Tous les corps seront malades. Donc, vous prenez besoin qu'une partie du corps se cache en disant non, moi je suis bien et l'autre est là. Non, il sera toujours affecté. Lorsque vous avez un œil qui fait mal, c'est tout le corps qui souffre en même temps. Oui. Donc, commencez d'abord par vous poser des questions vous-même. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous par rapport au sentiment de Simon Kimbangu? Parce que la plupart des gens qui nous appellent ici, c'est quoi? C'est juste pour nous dire que nous sommes en train de dire n'importe quoi à l'antenne. Non, messieurs, on ne dit pas n'importe quoi. On n'est pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants pour venir ici parler de Simon Kimbangu. Je le répète, nous en parlons parce que ça nous concerne tous. S'il y a des Blancs, des Français, des Américains, dont vous-même vous le savez, vous connaissez, certains Anglais, des gens parlent de Simon Kimbangu. Et vous allez nous empêcher, nous qui sommes Africains, à en parler? Au nom de quoi? Joseph Kédangé a dit, quand le monde va découvrir ce que vous faites, vous serez lapidés. Effectivement, si cette spiritualité qui représentait laisse un tel message, c'est-à-dire que je vous assure, ceci ne va pas tarder. Que prêchez-vous à l'église chaque dimanche? L'amour ou la discorde? Non, vous prêchez l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie que vous diffusez, maquillée par les beaux discours de Dieu, de Simon Kimbangu. Vous maquillez ceci. C'est de l'hypocrisie tout simplement que vous diffusez. Et les gens ont compris. Les Kimbanguistes ont compris. Le grand nombre a compris. Mais ils n'ont pas le courage d'en parler par des menaces pour lesquelles ils sont victimes. Et les gens préfèrent se taire dans leur maison. Et donc, les gens deviennent hypocrites. L'hypocrisie de ceux qui gèrent et l'hypocrisie maintenant renforcée de ceux qui ont peur de dévoiler les choses. Donc, au milieu, l'enseignement n'est plus le même. Donc, nous ne nous acharnons pas, mes chers amis. C'est justement, c'est par amour d'ailleurs que nous le faisons. Acceptez que quelqu'un vous dise que ce que vous faites n'est pas bon. Que de sourire avec celui qui ne te dit rien alors que vous êtes dans le mauvais chemin. Acceptez celui qui vous fait des remarques, que de passer le temps à rigoler avec quelqu'un qui sait très bien que vous faites du mal, mais il continue à vous sourire. L'hypocrisie n'est pas une bonne affaire dans une assemblée spirituelle, dans une assemblée de Dieu. Il faut prêcher l'amour, le véritable amour. Et c'est cet amour-là dont on a besoin. Le vrai amour. Quel amour prêchez-vous chaque dimanche? Quel est le type d'amour? Soyez humble là où vous êtes et reconnaissez quand même que ce que nous disons n'est pas loin de la vérité. Reconnaissez-le.
Parce que tout ceci n'est pas une invention. Lorsque Joseph d'Anguène avait encore dit, mes enfants, respectez le travail, les lois et l'amour entre vous dans l'assemblée. Mais les trois préceptes qu'il a laissés ne sont pas respectés non plus. Ne sont pas respectés. N'allez pas par quatre chemins en nous faisant croire que tout marche. Non. Donc, Kimbangu, pour quelle destinée? Je sais que vous allez nous dire que nous avons déjà passé cette étape de Kimbangu, Dieu, Kimbangu, ceci. Voilà, nous avons assumé. Kimbangu est un Dieu. Ça, ce n'est pas le problème. Joseph Dianguenda fut lui-même Kimbangu. Ce n'est pas un problème. Mais après Kimbangu, Joseph Dianguenda, la succession. Est-ce que ce Dieu-là est toujours le même dans cette succession aujourd'hui? Où les enfants, les 26 enfants de Simon Kimbangu, enfin, de la succession des trois pères, des trois pères spirituels, les 26 enfants sont divisés. Ne me contredisez pas, ne dites pas que c'est faux. Voilà pourquoi j'avais dit hier que le problème de la spiritualité n'est pas une affaire familiale. La spiritualité, elle est pour l'humanité. Je vous ai fait référence à une autre spiritualité en Afrique de l'Ouest, où il y a aussi l'équivalent de Simon Kimbangu. Je vous ai dit que je vais vous faire une émission là-dessus avec le groupe dans 2 semaines. Et qui pratique presque les mêmes règles que les Kimbangu. Que les Kimbangu. Pour eux, leur prophète était venu pour sauvegarder l'humanité, pour sauver l'homme et noir, autant que Kimbangu. Mais ne me dites pas que c'est Kimbangu qui est réapparu là-bas. Qui est réapparu là-bas. Non, là, c'est un autre. Il n'a rien à voir. Oui, c'est un autre. Mais par contre, eux, ils prêchent vraiment l'amour. Parce que dans leur succession, ça n'a rien à voir avec la famille. Non, c'est Dieu qui révèle qui succède à qui. Et la succession ne se fait pas par vote, non. C'est à la mort de votre, quand vous terminez, votre mandat s'arrête le jour de votre mort. Et c'est Dieu qui va révéler, qui va succéder. Ça peut être n'importe qui, n'importe quel membre d'un pays différent. Parce que le groupe est installé un peu partout dans le monde. Par contre, chez les Kimbangu, c'était ce. Oui, héréditaire, hein? Bon, à cet égard, à cette occasion, il y a quelqu'un qui nous a écrit en nous disant, c'est Dieu qui a choisi que ce soit ainsi. OK, tant mieux. Si Dieu vraiment a choisi que ce soit ainsi, mais est-ce que vous respectez les principes, les préceptes que Dieu a prescrits dans cette succession? Non, messieurs, vous êtes en train d'égarer les brebis. Et honte même de nous contredire. Nous ne sommes pas Kimbanguistes, mais nous savons ça. Mais ça vous gêne parce que nous ne sommes pas Kimbanguistes et nous en parlons. C'est cela votre problème. Et pourtant, il faut savoir en même temps que le message de Simon Kimbangu, c'était que cette spiritualité, ces enseignements concernent également mes enfants qui sont partis très loin et qui vont revenir un jour. Et ceux-là, quand ils vont revenir et quand ils vont découvrir ce que vous faites ici, ils vont vous lapider. Que quelqu'un appelle pour me dire que Dianguinda Joseph n'a pas dit ça. Alors n'interprétez pas en disant non, il n'a pas dit dans ce sens, il a dit dans un autre contexte. Et non, nous lisons entre les lignes, tout simplement. Nous lisons et puis nous commentons. Point. Parce qu'il y a des vidéos. Et c'est pour ça, moi-même, j'ai vu la vidéo. J'ai vu. Alors, sortons de cette hypocrisie. Alors, j'ai annoncé tout à l'heure que notre invité devait entrer en ligne. Ben, nous voyons qu'il est en train de tenter d'entrer en ligne alors que tout à l'heure, on avait bien arrangé la connexion avec lui. Et bien là, il nous fait encore suspendre à ne pas rentrer en ligne. Et ça, ce sont encore des exemples qui prouvent à suffisance que les Kimbangistes ont du mal à s'exprimer.
Voyez-vous, j'espère que vous êtes en train de me garder chez un frère, mais ne me dites pas que vous êtes dans l'incapacité de vous connecter. Il faut vous connecter parce que vous devez expliquer, répondre aux frères qui posent des questions. Nous avons organisé avec vous cet entretien et ça ne sera pas téléphonique. Nous avons un invité qui va nous répondre, qui va vous répondre à vos questions. Voilà. Nous allons continuer. Nous allons continuer en tout cas aujourd'hui. Nous devons continuer parce que c'est la dernière émission de la semaine avant la semaine prochaine, comme nous avons dit. Alors, nous allons revenir sur la question de la semaine passée, enfin, du début de la semaine. Nous avons parlé de triptyque de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, Dieu créateur, phénomène métaphysique ou prophète. Ça, c'était l'analyse qui a été faite par le professeur qui est passé par ici et qui a développé cette thèse. Beaucoup de gens ont appelé pour remercier le professeur. Même avant l'émission, nous avons eu beaucoup de gens qui ont appelé ici en disant, renvoyez-nous cette émission-là parce que c'était vraiment, on croyait que c'était un Kimbanguiste. Mais à la fin, lorsqu'il a dit qu'il n'était pas Kimbanguiste, nous étions tous, nous étions surpris tellement qu'il expliquait les choses mieux que les Kimbanguistes. C'est ça le mot. Les gens qui ont appelé ont dit, il explique mieux que les Kimbanguistes, mieux que beaucoup de pasteurs Kimbanguistes. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore là? Si vous-même, vous ne savez pas comment apporter le message, vous avez peur au ventre de dire les choses. C'est pour cela que nous disons finalement que c'est une secte. La manière dont vous vous comportez dans cette église, avec ce groupe, cette assemblée, c'est une secte, messieurs. N'ayons pas peur de le dire. Ce n'est pas une secte au temps de Simon Kimbangu lui-même qui a apporté le message. Vous l'avez transformé en secte. Parce qu'il y a des groupuscules. Vous avez créé des castes. Vous avez créé des animosités entre vous. Et du coup, les gens de l'extérieur qui ont la volonté, qui ont la foi, qui croyaient en Simon Kimbangu, ont du mal à pénétrer, même à approcher. Raison pour laquelle ça devient un groupe très opaque. Vous allez me dire combien de gens qui adhèrent, enfin, pas qui adhèrent, qui entrent dans cette église facilement, qui deviennent membres. Il y a plus de départs que d'entrées. Oui, il y a plus de gens qui partent que ne laissent ceux qui entrent, que ne laissent ceux qui entrent. Parce que les gens ont peur depuis la mort du dernier chef spirituel. N'est-ce pas? Vous le savez. Mais si vous ne respectez pas ce que Joseph Oudjangueh avait dit, comment alors vous allez nous faire croire que vous êtes des vrais Kimbanguistes? L'amour, le travail, les lois, respectez-les, mais vous ne respectez rien. Mes enfants, ne vous séparez pas, ne vous divisez pas. Soyez ensemble. Unissez-vous. Parce que la séparation, la division, c'est l'œuvre de Satan. N'a-t-il pas dit ça? Il a dit ça. Ne me dites pas qu'il a dit ça dans un autre contexte. Ne dites pas qu'il a dit ça d'une manière. Non, il a dit. Mais est-ce que vous respectez? Non. Non. Nous sommes ici en train de parler au nom de tout le peuple afro-descendant qui apprennent le kimbanguisme et qui posent des questions. Vous n'avez pas la possibilité, vous ne voulez pas d'ailleurs entrer en contact avec ce monde-là, parce que vous savez que quand ils vont venir, ils vont justement créer ce qu'on appelle le tsunami, une forme de tsunami. Vous comprenez? C'est un peu ça. Nous n'allons pas prendre le téléphone aujourd'hui, messieurs. Nous avons un invité qui doit entrer.
Et vous êtes en train de perdre le temps en appelant. Nous avons un invité qui doit répondre aux questions ici. Donc, nous ne prenons pas le téléphone. Je vais demander à la régie d'ailleurs de fermer le téléphone parce que nous ne sommes pas ici pour répondre au téléphone. Aujourd'hui, nous avons un invité qui doit rentrer. Nous avons arrangé l'émission avec lui. Et là, il ne s'est pas entré et nous nous posons des questions. Si ce monsieur n'entre pas aujourd'hui, je vous promets que les Kimbanguistes, nous n'allons finalement ne plus vous recevoir à cette émission parce que ce comportement n'est pas un comportement professionnel ni un comportement des gens qui sont sincères. Et c'est la preuve que justement, ceux qui se plaignent ont raison. Lorsque vous vous cachez derrière vos ordinateurs pour nous envoyer des messages discourtois, non, ça ne marche pas. Vous devez entrer en ligne et nous allons parler en ligne. On ne prend pas le téléphone aujourd'hui. Le monde doit vous découvrir. Vous devez parler avec les gens et répondre à leurs questions. Donc, nous n'allons pas prendre le téléphone. Le principe de l'émission a été annoncé depuis le début et il doit être respecté. Donc, il n'y a pas de sujet qui manque pour que nous puissions terminer cette émission, mais par nous-mêmes. Est-il que la question, elle est posée. Très simple. Et je m'adresse particulièrement à celui qui. Ils sont au moins 3, 4, 5 personnes qui nous envoient des messages discourtois sur tout ce que nous sommes en train de dire ici. Et qui me répondent à cette question. Si Joseph Danguenda, que vous respectez comme Dieu, enfin le doublon de Simon Kimbangu lui-même, n'a pas laissé ce genre de consignes de vous unir, vous respecter et de prêcher l'amour. Est-ce qu'aujourd'hui l'église kimbanguiste prêche le vrai amour? C'est ça. Et il ne faut pas dire que nous nous acharnons. Le mot acharnement, ce n'est pas ça. C'est parce que nous sommes en train de dire tellement la vérité là que ça gêne. Et ceux qui pensent que nous sommes en train de nous acharner, ce sont ceux-là justement qui véhiculent la haine. La haine. Ça, messieurs, je pense que vous allez vous reconnaître dans ces propos, parce que c'est vous qui les avez tenus. Et vous n'avez même pas la honte de vous contenir dans vos propos. Et c'est regrettable pour celui qui se dit Kimbanguiste. Et là, c'est des preuves justement pour nous que ce que nous disons, nous sommes en train vraiment de dépecer le mal. Et c'est des gens comme vous, comme ça, qui est en train d'induire en erreur le peuple de Dieu. Parce que c'est vous qui menacez les autres. C'est vous qui menacez des gens, des pauvres gens qui ont la foi, mais lorsqu'ils veulent poser une question, vous ne leur permettez pas de poser des questions. Mais attends, même au temps de Jésus, on posait des questions. Jésus, on lui posait des questions. Les disciples posaient des questions. Les gens se posaient des questions en son temps. Mais comment est-ce qu'au temps de Simon Kimbangu, à plus forte raison, après la mort de Simon Kimbangu, destoue le fils spirituel, et vous ne voulez pas que les autres posent des questions? Quand on pose la question, on devient un malpropre. Non, nous parlons de la spiritualité. Donc, nous avons pour la deuxième fois mis les moyens qu'il fallait pour que notre invité vienne au studio. Enfin, en duplex. Il est en train de nous suivre, mais je ne peux pas comprendre que cette difficulté qu'il peut avoir maintenant, alors qu'il y a 30 minutes, nous avons bien préparé techniquement l'émission, et maintenant il ne sait plus rentrer à l'écran. Bon, voilà. Pour moi, je pense que ce sont des consignes qui circulent entre vous, mais je ne prendrai pas, nous n'allons pas, les consignes ont été données par la technique et la régie. On ne répondra pas au téléphone parce que nous avons un invité. Il avait reçu tout ce qu'il fallait comme possibilité d'accès à l'écran. Et donc, il doit rentrer à l'écran et nous allons le prendre pour répondre. Si lui n'entre pas, nous allons continuer l'émission telle que nous sommes en train de la faire et on ne va plus jamais le recevoir dans cette émission. Voilà, parce que ça, c'est la démonstration justement de ce que vous êtes. Donc, nous ne nous acharnons pas. Réfléchissons. Car cette émission, c'est pour la réflexion et non pas pour la distraction. Nous allons revenir dans 10 secondes. Merci.
Pour nous, il est celui par lequel la foi en Dieu est devenue palpable. Jésus-Christ, une réalité et surtout l'amour de Dieu manifeste. On dit que nul n'est parfait, mais il disait, nous devons nous efforcer à tendre vers la perfection. Nos attributs n'étaient pas que forfaiture. Je suis chrétien, je suis un tel. Face à ces faire-valoir, il ajoutait, et après, ce n'est point parce que je suis le fils de Simon Kimbangu qu'à la fin de mes jours ici-bas, que les portes du paradis me seront largement ouvertes. Non, ce sera le cas si et seulement si j'aurais fait la volonté de mon Père, disait-il. Ça, c'est Joseph Dianguinda qui parle. C'est Joseph Dianguinda qui parle, en fait. Celui pour qui vous bravez ses enseignements. Il était parfait dans ce qu'il disait. Mais cet ouvrage, il contient beaucoup d'informations, si vous ne le lisez pas. J'ai eu beaucoup de gens qui nous ont appelés, qui connaissent l'ouvrage. Merci pour vous. Et qui nous ont félicités d'ailleurs. Et j'ai continué à lancer des fleurs à l'auteur du livre. Celui qui a écrit ça. Oui, un peu de respect, mes chers amis. Il a mis du temps à écrire. C'est un intellectuel. Un intellectuel, ce n'est pas l'intellectuel tel que vous l'entendez. Mais un intellectuel, c'est quelqu'un qui s'est transformé l'impossible au possible. C'est lui qui s'est transformé son environnement, qui peut améliorer la condition, les conditions de son environnement. C'est lui qui sait changer les choses. C'est ça un intellectuel. Un intellectuel, ce n'est pas le nombre de diplômes. Non. Un intellectuel, c'est toute personne capable de transformer l'environnement dans lequel il se trouve, le rendre positif. C'est ça aussi, la contribution intellectuelle qui est ici, est énorme. C'est Joseph Dianguinda qui parle. Mais est-ce que vous respectez ce que Joseph Dianguinda vous a laissé comme consigne? C'est ça. Voilà pourquoi nous disons Kimbangu pour quelle destinée? La question, c'est après la succession de maintenant, celui qui est là, qu'est-ce que Simon Kimbangu avait prédit? Parce que nous avons l'impression que tout a été planifié, prédit par lui-même. C'est-à-dire qu'il a prédit jusqu'à la fin de toute la génération. Donc, mais c'est qui? Pour qu'il n'y ait pas confusion après. Parce que vous avez étouffé, justement, celui pour lequel la destinée a fait la succession. Devrait être conduite. Vous le savez. Donc, nous ne pouvons pas nous acharner. On ne s'acharne pas. La spiritualité Kimbangu nous concerne tous, même ceux qui n'y croient pas, parce que c'est la parole de Dieu. Voilà. Si vous dites que c'est lui-même Dieu, mes chers amis, si c'est lui qui est Dieu, mais j'ai le droit justement de défendre. J'ai le droit de m'insurger. J'ai le droit de m'acharner sur ceux qui sont en train de détruire le message de mon Dieu qui m'a créé. Allons même dans cette logique-là. Acceptons que moi aussi, de toute façon, que vous le voulez ou pas, nous sommes tous kimbanguistes en fait. Oui. Et pour ça, nous avons tous le droit de nous acharner. Un enfant qui ne s'acharne pas sur la destruction de l'héritage de ses parents, c'est un enfant irresponsable. Très simple. Même si ce n'est pas lui l'héritier. Mais s'il est l'enfant de son père et qu'il voit que ceux qui gèrent les affaires de son père sont en train de détruire le bien de son père, cet enfant-ci ne réagit pas, c'est qu'il est irresponsable. Voilà. C'est simple. Que vous soyez le plus fort de la famille, et que vous ne respectez pas les consignes que le Père a laissées, eh bien, messieurs, nous allons nous acharner sur vous. Et de manière coriace, d'ailleurs. Voilà, c'est cela le problème.
Alors, nous avons des messages. Nous espérons que nous allons recevoir des messages courtois, n'est-ce pas? Je vous comprends aussi, hein? Voilà, nous avons. Bon, à la fin, quand vous envoyez vos messages, mes chers amis, si vous voulez qu'on cite votre nom, il faut toujours le préciser. Parce que nous n'avons pas le droit de donner vos noms ici à l'antenne pour vous éviter ces représailles dont vous avez tous fait allusion. Voilà. Alors, je vous comprends aussi comme étant de. Je vous comprends aussi comme étant de. Voilà, notre invité est là. Je pense qu'il est rentré. Voilà, il est là. Vous êtes là, je crois. Pendant que je voulais lire. Eh bien, bonsoir, monsieur. Vous êtes en ligne? Ben, écoutez, là, franchement, nous avons notre invité qui est entré. Il a un petit souci de son. Nous ne pouvons pas vous entendre sur le studio. Essayez d'organiser votre micro là où vous êtes. Et comme ça, nous allons vous prendre en tout cas dans notre studio. Essayez d'organiser votre micro, s'il vous plaît. Parce que nous ne pouvons pas vous entendre. Voilà, donc pendant ce temps, je suis en train de lire quand même le message ici. Je vous comprends aussi comme étant comme étant des profanes, il serait mieux de vous imprégner vraiment de l'histoire du kimbanguisme, car même un bon élève avec tout son matériel didactique, la porte du bonbon. Voilà. Oui, justement, monsieur, merci beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous faisons ces émissions. Et avec toute humilité, hein, nous disons que nous ne sommes pas des kimbanguistes. Nous apprenons sur le tas. Et d'ailleurs, ce sont des ouvrages ici qui nous permettent de découvrir les enseignements de Kimbangu. Donc voilà, nous sommes encore, comme on dit, au pas, au premier pas de cet enseignement. Et ça nous concerne en même temps. Mais le peu que nous avons appris nous donne déjà, nous met déjà dans le bain pour nous permettre de réagir. Voilà, donc on n'a pas besoin de faire des grandes études pour ça, pour comprendre l'histoire de Kimbangu. Voilà. Ok, merci beaucoup si je vous fais rire. C'est toujours la même personne qui continue toujours à nous taquiner. Bon. Je préfère ne pas lire certains messages. Voilà. Voilà, messieurs, est-ce que vous nous entendez? Vous nous entendez? Mais on ne peut pas vous entendre ici, hein? Je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas vous entendre. Essayez d'organiser votre micro. On n'a pas le son de retour de votre part. On n'a pas le son de retour de votre part et le temps est en train de passer. Et on ne sait pas pourquoi on n'a pas le son de retour. Alors que tout est bon chez nous, on sait vous voir à l'écran. Le deuxième écran, on sait vous voir. On sait vous voir à l'écran. Mais nous n'avons pas le son de retour de votre part. Voilà, on ne sait pas vous entendre. On ne sait pas vous entendre. Ce n'est pas possible. Il serait mieux de prendre des appels en plus de votre invité. Vous pourriez citer mon nom. Voilà, vous pourriez citer mon nom. Donc là, c'est Monsieur Féfé. Monsieur Féfé Goma. Voilà. Ben, monsieur, le concept de l'émission n'était pas prévu. Hein. On ne peut pas prendre les appels aujourd'hui parce que nous avons organisé l'émission pendant 2 jours avec notre invité. Et là encore, il a un problème de son. Donc, nous ne savons même pas comment le faire entrer dans le studio. Par contre, nous avons des invités qui n'ont pas la honte de se respecter. Je dis ça à l'antenne. Et nous devons quand même nous respecter entre nous parce qu'il s'agit des Kimbangu, de l'esprit Kimbangu, du message de Dieu dont nous sommes en train de parler. Donc, vous n'allez pas nous intimider. Nous sommes en train de faire le travail de communication pour informer les gens, justement, à connaître exactement Simon Kimbangu. Donc, votre point de vue, vous êtes libre de montrer qui vous êtes et, enfin, je veux dire, de montrer vos faiblesses en l'antenne, vos faiblesses devant tout le monde. Et les gens ont déjà entendu comment vous réagissez et ils savent à peu près comment vous comportez même dans votre vie privée. Donc, je me permets de vous dire ça quand même. Voilà. Nous allons lire un autre message.
Voilà, même, il y a une dame qui nous écrit en nous disant que voilà, c'est fantastique, merci beaucoup, mais ne vous occupez pas justement des gens qui vous taquinent, car ce sont des gens justement qui cherchent à vous déstabiliser tout simplement pour ne pas continuer à faire le travail que vous êtes en train de faire. Ok, merci madame. Vous n'avez pas précisé si on devait citer votre nom. Voilà, nous allons revenir dans quelques secondes parce que nous devons chercher comment répondre à notre ami à l'antenne. Voilà, nous sommes de retour. On va continuer l'émission. Les conditions techniques font que notre ami, nous ne pouvons pas l'avoir. Il est là, mais nous ne pouvons pas le passer à l'écran parce que nous n'avons pas le son. Nous n'avons pas le son de retour et on ne sait pas pourquoi on n'a pas le son de retour. Monsieur, essayez d'organiser le son de votre côté parce qu'il doit y avoir un problème de votre côté parce que la technique nous signale que le son passe très bien de notre côté, sauf chez vous. Voilà. Donc, pour ceux qui pensent que nous sommes en train de faire le folklore, tant pis pour vous. Mais pour ceux qui nous envoient des messages d'encouragement, merci. Nous n'allons pas nous décourager. Voilà. Donc, dans 10 minutes, nous allons terminer l'émission, messieurs. Et si vous ne pouvez pas rentrer, on ne peut pas avoir le son, malheureusement, nous serons obligés de reprendre l'émission la semaine prochaine parce que celle-ci, c'est la dernière émission de la semaine. Voilà. Donc, nous sommes ici en train de parler. J'ai besoin d'avoir le son de retour, mais par contre, voilà. OK. Est-ce que vous nous entendez? Un instant. Est-ce que vous nous entendez là? Est-ce que vous nous entendez? Ben, le ton n'est pas bien. On ne vous entend pas, ce n'est pas possible. On ne vous entend pas du tout. Voilà, je pense que nous allons vraiment arrêter là hein, parce que notre invité est arrivé. Nous ne savons pas la voir. Le son ne sort pas. Par contre, il est là. Il est là. Il veut répondre aux questions. Ce que je vais demander à la régie, c'est de pouvoir couper l'émission et nous allons arranger avec lui les conditions techniques. Et nous allons revenir de manière exceptionnelle dans les 10 minutes de l'émission qui nous reste. C'est le temps que nous puissions le reprendre pour faire un 10 ou 15 minutes d'émission qui lui permettrait justement de répondre à certaines questions. Voilà. Donc nous allons arrêter cette émission à ce niveau pour nous permettre de reconnecter notre invité parce qu'il est déjà là. La technique a tout fait pour l'avoir. Par contre, je vais lancer quand même un dernier message en disant: cultivons la culture, enfin, cultivons l'amour dans l'assemblée de Dieu. Évitons la polémique, évitons les insultes que vous êtes en train de profaner. C'est la preuve que justement, vous n'êtes pas en train de suivre la parole de Simon Kimbangu. Voilà, c'est tout. C'est le message. Si Joseph Dengaine avait laissé des consignes de respect et d'amour, cultivons cela. C'est comme ça que vous allez grandir, que de passer par des menaces, des insultes que vous diffusez. C'est un signe de faiblesse de votre part. Merci, à très bientôt. Au revoir.